exultait de joie, heureuse de la nativité de la Vierge Marie, qui fit lever sur le monde l'espérance et l'aurore du salut, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gardons cette joie dans notre cœur, frères et sœurs. Elle nous est donnée pour que nous puissions la partager, pour que nous puissions en vivre jour après jour. À partir de cette première semaine de rentrée, toutes les semaines de l'année, nous vous proposons cette année une permanence de sacrement de réconciliation plus fréquente. Il sera possible de rencontrer un prêtre et de célébrer la réconciliation au soir, également après la messe, le samedi entre 16h et 17h30 et le dimanche après la messe de 11h. Donc n'hésitez pas à vivre de la joie du Seigneur en étant comme la brebis perdue qui parle des motets de François Couperin. Vous savez que François Couperin était un des organistes de St Gervais. Et donc ce sera un ensemble pour 5 chanteurs, pour violon, flûte et hautbois. Et il sera possible de rencontrer les musiciens et les chanteurs à l'issue du concert. Donc dimanche 16 septembre à 16h. Dimanche 16 septembre, ce sera aussi la rentrée du dimanche de Jérusalem. Et quelques informations sur vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Oh.